Si le singe fait partie de votre thème, vous serez particulièrement verni cette année. Vous aurez accès au pouvoir, à l'autorité, aux ressources et aux bonnes personnes. Ainsi, si vous envisagez de créer une nouvelle entreprise, de poursuivre une autre carrière ou de démarrer un nouveau projet et que vous avez besoin d'aide, de ressources ou d'une bonne équipe, vous y aurez accès. Si tant est bien sûr que vous mettiez tout en œuvre pour l'obtenir, car je vous le rappelle, en astrologie, tout est question d'opportunité, mais vous devez être entreprenant pour les voir se réaliser. D'autre part, votre capacité à résoudre les problèmes sera augmentée cette année. Donc si certains problèmes ont persisté l'année dernière, problèmes de santé, professionnels ou encore relationnels, eh bien vous serez en mesure de les résoudre en 2021. Enfin, vos relations seront au beau fixe et si vous êtes célibataire, quelqu'un pourrait bien entrer dans votre vie, si tant est que vous le souhaitiez, bien évidemment. Alors que si vous êtes en couple, votre relation devrait être renforcée cette année. Alors, du côté négatif, il se peut que vous expérimentiez des changements abrupts cette année, des choses qui se terminent ou s'interrompent brutalement. Vous êtes par exemple sur un projet et tout à coup tout s'arrête, ou encore vous ou votre conjoint décidez de mettre fin à votre relation du jour au lendemain. Mais c'est peut-être pour le meilleur, qui sait. D'autre part, vous aurez tendance à oublier les choses facilement en 2021. Oubliez vos promesses, vos rendez-vous, vos clés, ou bien où vous avez garé votre voiture, mais rien de bien grave. Alors rentrons plus dans les détails. Si le singe se trouve dans votre année de naissance, cela signifie que vous trouverez les ressources, les personnes et l'aide dont vous avez besoin au sein de votre cercle social, parmi vos amis ou encore dans votre industrie. S'il apparaît dans votre mois de naissance, cela indique beaucoup d'activités positives et d'opportunités au sein de votre travail. Donc soyez proactif et n'hésitez pas à vous porter volontaire pour assumer de nouvelles responsabilités, à demander l'aide dont vous avez besoin ou à ce que l'on vous alloue les ressources nécessaires. Maintenant, si le singe se trouve dans le pilier de votre jour de naissance, il est possible que votre conjoint vous apporte l'aide et les ressources dont vous avez besoin. Peut-être qu'il ou elle connaît quelqu'un qui pourrait vous aider, vous assister, lever les fonds nécessaires à votre projet, vous donner des idées ou encore vous montrer la direction à suivre. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à votre partenaire. Enfin, si vous êtes né lors du singe, cela indique d'excellentes opportunités d'investissement. Donc faites des recherches sur les types d'investissements que vous pourriez faire cette année, comme investir dans la pierre, dans des actions, dans l'éducation, bref. Renseignez-vous car l'énergie de 2021 vous aidera à trouver les bonnes informations qui vous feront passer au niveau supérieur. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour le singe en 2021. Quant à moi, je vous retrouve pour ma prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai du coq, qui fait peut-être également partie de votre thème. Et pour le savoir, je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran afin de recevoir votre charte personnalisée gratuite. Si ce n'est pas encore fait, rejoignez-moi sur Facebook et abonnez-vous à ma chaîne afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors à très vite !